Salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait longtemps, très très longtemps, pratiquement un mois que j'ai pas sorti de vidéo pour parler de Warring Arms et de l'actualité du développement, de qu'est-ce qu'ils ont rajouté et les petits snippets qu'on peut avoir des armes, de l'interface, des nouveaux personnages, bref, je vais tout vous montrer dans un instant. Mais tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, enfin du moins ton plus gros like, et bien sûr n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur Ouya, bien sûr. Également n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de tout ce que je vais te montrer juste après et quelle idée tu aurais à apporter pour Ouya. Bref, passons aux choses sérieuses. Bon, et bien pour commencer cette vidéo, je vais commencer par la question qui revient le plus, c'est quand est-ce que la bêta fermée sortira? Alors c'est tout simple, la bêta fermée sera annoncée une semaine avant son lancement. Pas avant, peut-être parce que les développeurs n'ont peut-être pas envie de s'imposer une date bien précise, également pour informer suffisamment de joueurs pour la bêta. Donc une semaine avant, on aura tous la date. Donc arrêtez de poser la question sur les différents réseaux ou bien même sur les lives, sur les vidéos, sur les Discord. On aura la date une semaine avant. Ok, ni plus ni moins. Bon allez, passons sur cette première image qui est une image de l'interface pour la customisation d'armes. Vous allez pouvoir modifier votre viseur, votre canon, votre charme, votre cross, votre skin. Bref, vous allez pouvoir personnaliser votre arme avec cette interface. Vous allez également pouvoir voir les caractéristiques de cette arme. Donc voilà, c'est un aspect un peu plus poussé dans le jeu pour pouvoir vraiment avoir une arme qui vous correspond à votre style de jeu. Et ça c'est plutôt cool. Allez, celle-là, petite image d'un élément du décor qu'il y aura sur une des maps. J'en ai pas plus, mais voilà, c'est voilà, une petite image du décor. Allez, passons sur cette troisième information qui est l'animation de rechargement et l'inspection de l'ACR qui est un fusil d'assaut. Donc là, vous, du coup, vous pouvez voir l'inspection. Donc du coup, on fait la bascule de l'arme. Donc ça, voilà, c'est pour regarder son petit skin. Et il y a également, du coup, la recharge qui est une animation relativement importante dans les FPS. Et je la trouve quand même plutôt pas mal. Allez, quatrième information, c'est l'animation de phase de préparation à un match classé. Donc cette animation, franchement, je la kiffe. Elle est vraiment stylée. C'est voilà, c'est l'image qu'on aura à chaque fois quand on va lancer une game. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment important aux développeurs de ne pas se louper. Et celle qu'ils ont mis, elle a vraiment beaucoup de retours positifs. Donc je pense que celle-ci sera celle de présente à la sortie. Peut-être qu'ils l'amélioreront dans le temps, mais en tout cas, ça sera celle-ci qu'on aura. Allez, cinquième information qui est tout droit tirée d'une question. Est-ce que plusieurs modes de jeu sont prévus pour Warring Arms? Les développeurs ont simplement répondu oui. Pour l'alpha par exemple, il n'y aura qu'un mode FFA, mêlée générale. Pourquoi? Car un CQB normal est, comme vous le savez, un mode de recherche et destruction. C'est un mode rythme lent. Quand on meurt, on attend. Dans un mode plus d'action, les bugs seront plus facilement identifiés. Donc oui, il y aura plusieurs modes. Donc il y aura également cette interface avec les différents modes. Mais en tout cas, à la bêta fermée, il y aura un mode mêlée générale. Ce sera vraiment pour tester en globalité le jeu, que ce soit sur les mouvements, les accroupissements, les bascules, les recharges, les maps. Voilà, tout pour tester les bugs. Allez, sixième info, ça concerne les drones. Et ça y est, les drones sont désormais finis. Et les voici, ils sont juste magnifiques ces petits drones. J'attends de voir ce que ça donne en game, j'attends de voir leur capacité, à part le fait qu'ils puissent sauter, à voir qu'est-ce qu'ils nous réservent. En tout cas, j'ai pas plus d'infos, en tout cas de mon côté, à vous fournir, mis à part cette magnifique image. Allez, septième information du coup, c'est cet affichage qui est l'affichage classement du jeu. Donc on verra qui sera peut-être top France ou top Europe et également bah du coup top monde. Ouais, on verra qui va le plus tryhard en espérant que je sois dans le top dans le top 10 de chez moi. Allez, huitième information, ça concerne l'affichage pour la description des agents. Donc là, on pourra voir l'arme que l'agent pourra utiliser, les différentes grenades, sa vitesse, son armure, sa capacité et son vrai nom et son histoire. Donc ça, ce sera quasiment genre 70% de ce que tu vas faire après en game. Donc ça sera à toi de bien choisir ton bon personnage qui a les bonnes capacités, l'arme que tu penses le mieux gérer et voilà. Neuvième information, ça concerne l'ajout du dernier et plus haut rang. C'est le rang Prime. Celui-ci, je vous le dis,
ça sera l'un des rangs que tout le monde va convoiter. Peut-être que tout le monde n'aura pas, mais voilà, moi ça sera vraiment, je pense, l'un des premiers objectifs que je vais me faire sur War in Arms, c'est d'aller chercher ce grade Prime. Allez, dixième information, celle-ci en regroupe quelques-unes, c'est qu'ils ont ajouté l'interface pour la réception de jet, l'interface pour la boîte mail, l'interface de classement des joueurs en partie classés et l'ajout de l'affichage de l'écran de défaite d'une manche et d'une partie. Donc ça, c'est plutôt cool, ça veut dire que tout ce qui enveloppe l'interface est quasiment terminé. Et donc ça, c'est cool, je suis pressé de vous montrer des images parce que j'en ai pas, du moins, à vous montrer pour le moment. Allez, onzième information, ça va concerner du coup la grenade EMT qui est plus ou moins terminée. Là, on voit l'aspect qu'elle va donner en jeu. Et il y a également la grenade fumigène qui aura plus ou moins cette allure. Donc ça, c'est les deux premières grenades qu'on aura. Je pense qu'il y en aura d'autres, c'est sûr et certain. Mais ça, c'est les deux premières grenades que je peux vous montrer. Pour la deuxième information, c'est l'ajout des caméras. Alors ça, c'est que le prototype des caméras. Il n'est pas fixe. Mais voilà, ils veulent rendre un peu le jeu quand même assez futuriste. Donc du coup, on est plus sur des caméras vraiment portées futuristes. Allez, 13ème information, celle-ci en regroupe encore plusieurs, c'est les nouvelles textures des trappes renforcées et non renforcées, le dévoilement des plans de la première map qui sera disponible uniquement pour la bêta, et le dévoilement des dégâts de chaque arme en fonction des parties du corps où on tire. Alors, ces images-là, vous allez pouvoir les retrouver sur la chaîne Limo, bien sûr, toutes les sources de cette vidéo sont dans la description. Pour ces trois choses, je peux pas vous les montrer, mais ça se passe sur la chaîne Limo. Quatrième information, c'est le son du jeu. Alors voilà, c'est le son que vous entendez depuis le début de la vidéo. Ça sera le thème de War in Arms. Peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas, voilà, ça sera le son qu'on aura en jeu quand on sera dans le lobby. Ça sera cette petite ambiance War in Arms. Avant de casser des têtes. Allez, 15ème information, et celle-ci concerne les questions qu'il y a eu lors de la FAQ. Quel est le budget investi dans le projet War in Arms? Le budget ne fait que augmenter actuellement entre 10 et 20 000 dollars. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui soutiennent le projet. Et si ça augmente, et bah qui dit augmente, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être pouvoir augmenter également leur équipe de développement et nous fournir un travail. Va-t-il y avoir une map dans un environnement réaliste? Oui, pourquoi pas, nous allons essayer de faire des maps dans le plus d'environnements possible. Donc ça, c'est cool, peut-être qu'il y aura des environnements un peu dans la forêt, des environnements un peu à la montagne, des environnements un peu dans le désert. Enfin, je pense qu'ils vont essayer de faire pas mal d'univers pour vraiment rendre le jeu vraiment beau visuellement et que les gens ne s'en lassent pas. Qu'en est-il au niveau FPS par rapport au graphisme? Nous avons pour but que tous les appareils puissent avoir un minimum de 40 à 50 FPS. Le jeu sera sûrement disponible en 120 FPS pour les appareils qui le supportent. Combien de stockage le jeu nécessitera pour télécharger? Alors, ils nous disent qu'actuellement l'APK fait 300 MO, ce qui est vraiment très peu. Et à la version finale, le jeu fera sûrement aux alentours d'un GO. Voilà, c'est... Petite question qui touche un peu du e-sport, c'est va-t-il y avoir un système de replay? Nous avons la partie initiale de replay, mais ce système est très gros et sera donc probablement ajouté à la sortie globale dans une mise à jour future. Donc à la sortie bêta, on n'aura pas l'entièreté, je pense, des choses qu'ils veulent rajouter. Mais pour ce qui est du replay, c'est quelque chose qui est fortement envisagé par War in Arms. Également, cette question que beaucoup doivent se poser, c'est pourrons-nous avoir tous les agents sans payer avec de l'argent réel? Leur réponse, c'est oui. Tous les agents seront achetables avec les War Credits, qui est l'argent gratuit du jeu. Mais ça ne vous empêche pas de mettre votre propre argent pour aller plus vite, hein, bien sûr. Allez, 17ème information, et celle-ci, j'ai décidé de la garder pour la fin. C'est les premiers agents qui vont sortir dans le jeu. On aura Nope, qui lui peut passer des caméras. Nope, qui est relativement vraiment stylé, je trouve, son skin avec les couleurs violettes et tout. Je l'aime bien, donc lui, ça va être un peu un vision de la map. Ça va être celui qui va pouvoir potentiellement détecter plus rapidement les ennemis adverses. Donc il est pas mal. Alors là, c'est encore un croquis, on n'a pas la version en 3D. Et il y a également Mahir, qui lui est un healer, c'est un médecin, c'est lui qui va sûrement aider les coéquipiers à récupérer de la vie, hein. Allez, du coup, dernière information et 18ème info, ça concerne du coup ce petit screen qui montre la bascule. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire dans celui-ci, c'est uniquement un screen
d'une preview uniquement de la bascule, c'est pas la map définitive, mais voilà, il nous montre que c'est déjà en place, et ça c'est plutôt cool, parce que la bascule c'est très important, hein. Dans un CQB on va pas se le cacher, c'est très très important. Enfin voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est pas déjà fait bien sûr, le petit like, le petit commentaire, n'hésite pas à poser tes questions sur le Discord War in Arms France directement, je t'aurai directement une réponse de personne qui sera potentiellement plus expérimentée que moi sur les informations de Ouya, mais en tout cas on se tient informé pour de futures aventures et bien sûr de futures vidéos sur War in Arms. Il y a même du gameplay, hein, peut-être, hein, qui sait, parce que ça va tomber à peut-être à tout moment. Hein.